auditeurs, et aujourd'hui on se retrouve pour Dalek Mode Survival saison 4, épisode 15. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui on va aller sur la Lune, parce que c'est quelque chose d'important à faire, et que c'était prévu depuis longtemps. Où sont passés les machins? Ah voilà, ils sont là. Donc on a de quoi partir sur la Lune. Normalement avec ça, ça devrait être bon, sinon je recharge encore un peu. Une batterie, je sais pas si ça va nous servir. Pistolet sonique, on va prendre, ça peut être utile. Et le seau d'eau. Voilà. Donc, avant de partir, on va finir un sabre laser parce que on va finir un sabre laser. Donc là, on a pratiquement celui qu'il nous faut pour le molleur. Voilà, celui-là. Mais il nous manque en fait le blade émetteur, mais bon, c'est pas grave. Et on m'avait proposé un cristal bleu, bleu ciel. Bon, ça peut être pas mal. Avec le violet, ça va faire une drôle de couleur. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le truc mûche ici. 10 de machin. J'ai farmé un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je crois que j'avais farmé quelques trucs juste histoire de continuer. Ouais, j'avais farmé les loot bags. Enfin bon, là il y en a plus beaucoup, mais j'ai farmé les loot bags un peu. Le son est un chouïa fort. Oui, c'est comme ça. Ça devrait être mieux peut-être. Donc, redstone, torche. Non, bouton. Il me faut redstone 2 avec une torche. Non. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il me faut? Redstone, torche, redstone, bouton, c'est ça. Bouton, évidemment, on n'a pas de cobble, hein. C'est pas drôle sinon. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, enfin, normalement. Donc là, hop, on peut balancer tout ça, hop, et voilà, nous avons un tout petit sabre laser. Bon, le bleu cyan, ça va être bizarre, mais ça peut être cool. Et donc là, normalement, si je les assemble, attends, peut-être juste voir sa gueule avant. Wow, le bleu clair il est bizarre, il est un peu blanc, plus blanc que bleu quand même. Bon, c'est pas grave, ça ira très très bien. Hop, on les assemble et là on a un double. Yolo. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre de le tenir à une main en fait, je trouve. Mais voilà, du coup je fais 22 dégâts normalement en le lançant. Normalement je dois faire 22 dégâts. Si je ne dis pas n'importe quoi. Donc maintenant on va enfin partir sur la Lune. On est où là? C'est une bonne chose, mais on est où? On est sur Scarrow. Ah, c'est pas bon signe d'être sur Scarrow. Ouais, bon, là je n'ai pas. Hop, on va peut-être faire ça. On va laisser le Tardis ici, je pense. Locate, le transmat, le recall. Et voilà. Il fait nuit. C'est triste. Ah, mon nom facile. Allez! Matérialise-toi. C'est cool quand ça marche. Comme ça, on ira sur la Lune. Et une fois sur la Lune, on pourra faire spawn notre Tardis. Ah, il faut une pile. Arrêtez le chargement en cours. Ah, bon. Dans ce cas, on va faire avec ça. Ah, mais il faut peut-être mettre la fusée, sinon ça marche pas bien, je crois. De toute façon, on en a besoin juste pour faire un seul voyage. Ouais. Bon, bah, la canette est vide, mais voilà. Statut prêt, pas assez de puissance. Ok, bon, je crois qu'il va falloir qu'on fasse quelques petits allers-retours. Est-ce qu'on peut se lancer? De toute façon, on va voir. Ça me ferait chier de laisser ce bout de carburant. De toute façon, on s'en fiche. On reviendra s'il y a un problème. De toute façon, je compte laisser un waypoint sur la Lune. Et puis même dans tous les cas, je laisse le Tardis. Alors, on tente de lancer quelque chose. F. 60%. Bon, ça ira. Et le décollage se fait avec le Space Geronimo. Ça marche très bien. L'oxygène, on est bon ou pas? On est bon. Donc, on peut y aller. On va enfin décoller sur la Lune. Compte à rebours 8, 7, 6, 5, 4, 3, bonjour, 2, 1, c'est parti. Yolo. Coco. Vers l'infini et au-delà. Oh là là. Je m'amuse à diriger ma fusée. C'est drôle.
Bon, on va peut-être rester en ligne droite, ça semble une bonne idée. Je sais pas, j'espère trouver le donjon vers le... Ah, vers le boss. J'espère le trouver. Alors je sais pas combien de temps ça va me prendre, je pense que je ferai une coupure une fois que je serai atterri sur la lune, le temps de le trouver. On se dirige vers la lune, je veux aller vers la lune. Non, vers la lune. Bon, ça change absolument rien ce que je fais, mais... Voilà, donc nous y sommes. On peut aller ici, ici, ici. Ah, une station spatiale peut être créée ici. C'est bien, une station spatiale ne peut pas être créée ici. Non plus. Mars, Terre. Non, je vais aller sur la Terre. Faut voir. On n'a pas la Lune dans ce truc-là. Clac, si je clique dessus, je peux cliquer sur la Lune. Une station spatiale ne peut pas être créée ici. Ah, c'est con. Allez, lance-moi. La la, la 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 la. Faut maintenir le espace, sinon on s'écrase. Ça serait un peu con de s'écraser. Un petit peu. D'ailleurs, je suis level 30, ça serait peut-être bien de faire un enchant. Ça semble une bonne chose. Je crois. On est où là? Ouf, 500. Bon, je vais chercher un café, je reviens. On va lâcher un peu l'espace en attendant. Allez, on va le reprendre. Et voilà. Et normalement, si tout se passe bien, on atterrira en beauté. Coucou. Moins 1,5 mètres seconde. Et on atterrit en douceur. Voilà. Ça, c'était de la délicatesse. On est sur la lune, les gens. On est sur la lune. On récupère ça. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. On va récupérer. Non, c'est. Hop, voilà, on va au moins récupérer ça, même si ça va pas trop servir. De toute façon, j'ai pas mon distributeur. Et on va laisser un waypoint si on peut. Allez, pète-toi, dégage de là. Voilà, merci. Bon, en tout cas, on laisse le TARDIS ici. Hop, TARDIS inbound. Est-ce qu'on peut laisser un waypoint? Donc, je pense pas que c'est une bonne idée de laisser le TARDIS ici. Le TARDIS, si, mais le. Laisser un waypoint. Hop, voilà. On a beaucoup de carburant, enfin d'énergie. Oh, ça va, on a de quoi faire encore quelques voyages. Parce que si je trouve pas, j'y vais en TARDIS. On peut laisser ça là-dedans. Bien que j'en aurais plus besoin. Clac, clac, clac. La pile, on peut la laisser aussi. Voilà. 30 levels. On tente de s'enchanter quelque chose ou pas? Qu'est-ce que je pourrais enchanter de toute façon? Franchement, je vois pas ce que je pourrais m'enchanter. Un meilleur arc. Allez, on tente un meilleur arc. Si je peux avoir de l'Infinity, ça peut être sympa. Bonjour, un Power 4, un Brick 3. Ouais, ça changera de mon Power 3. Je vais peut-être le garder si je retombe sur 30 levels. Ouais. Ouais, on va essayer de se faire un arc assez pété. Ça semble une bonne idée. Là, j'ai encore un arc. Bon, ça ira. Ok. Détailler 6 chunks, ok, on passe peut-être à 8 chunks, je pense que ça devrait être bon. Et c'est parti, let's go, let's go on the moon, comme dans la première saison. Qu'est-ce qu'on peut? Ok, donc on a les mêmes coordonnées, moins 200, 200. Je tenterai de partir sur du 0-0. Non, c'est par là. Je veux tenter de partir sur du 0-0 et espérer trouver quelque chose d'intéressant, genre le donjon, ça semble une bonne idée. Attendez, je dis pas que j'y suis déjà. Non, j'y ai cru. Bon, bah, on risque de le chercher pendant un petit moment. Voilà, de toute façon, je vais vous faire ça en hors caméra. Je vais espérer le trouver jusqu'à ce que mes bombottes d'oxygène meurent. Parce qu'une fois qu'elles sont mortes, c'est terminé. Quoique, j'aurais plus qu'à refaire spawn le TARDIS et après à rechercher. Bon, j'espère trouver, sinon on verra. En tout cas, je vous reprends plus tard. Alors, à tout de suite. Bon, j'ai pas encore trouvé ce temple, enfin ce donjon. Mais j'ai trouvé un village. Pas si mal. Bon, on peut rien faire avec. Mais c'est bien de savoir qu'on a trouvé un village. D'ailleurs, au passage, j'ai trouvé une petite grotte. Bon, j'ai espéré trouver des trucs. Bon, de l'étain et du caillé. Avec ça, on peut faire du fromage. Youpi. Voilà.
Pas grand chose pour l'instant. Ah, ces torches, il me les faudrait à un moment donné. J'hésite à les faire. Il va falloir que je les fasse. Ouf, deux villages d'ailleurs. C'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Faudrait que je vérifie un peu. Des villageois, mais des villageois ils font rien. Ouais, ils font rien les villageois. Ils servent à rien en fait. Je pourrais les buter, ça change que dalle. J'hésite à savoir si je laisse un waypoint ici. Ça semble une bonne chose. Je crois qu'on va laisser un waypoint. Hop. Waypoint. Plus. Village. Lune. Add. Est-ce qu'il s'est mis? Village lune. Il s'est mis. Faut faire gaffe, des fois ils se mettent pas tout le temps parce qu'il y en a trop. Qu'est-ce que l'on a là? Que dalle. Enfin une grotte, mais c'est à peu près tout. Bon, je continue à miner si jamais je trouve. Hop. Non, c'est pas des monstres. Je sais qu'il y a des monstres aussi qui spawnent la nuit. Enfin, la nuit c'est facultatif parce que il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, y a la lumière du jour. Hop. Bon. Ben, je vous dis quand j'ai trouvé quelque chose. Hein. Enfin, quand j'ai retrouvé ce donjon avec ce boss à détruire. Donc, à tout de suite. Est-ce que ça serait. Oui, c'est. Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. On fait spawn le TARDIS. Parce que là, mon niveau d'oxygène, il est très très mal. Oh putain, j'y crois pas. Sérieux. Ah, ça commence à devenir critique. Merci. Oh sérieux, j'y croyais pas. Mais j'y croyais pas. Mais pas du tout. Mais ça fait 20 minutes que je cherche. Au moins 20, 20, 30 bonnes minutes. Allez, peut-être. Une demi-heure que je cherche. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. On a quelques loot bags aussi, j'ai trouvé quelques monstres, ça peut être sympa de les ouvrir. Bon, mais au moins cet épisode ne se terminera pas sur un échec. Enfin, à moins que je meure comme un con. Ce qui risque fortement d'arriver. Mais bon, au moins on aura ça. C'est déjà pas mal. Ah, et j'ai des torches lumineuses. D'ailleurs, faut voir comment ça se crafte avec une glowstone. Ah, ben on va en avoir besoin. J'ai pas de glowstone. Bru. Bon. De la roche lunaire. Faudrait que je fasse un coffre spécial roche lunaire. Et tout ce qui est truc de Galaxy Craft parce qu'on va en avoir besoin, enfin tout ce qui est planète. Hop, voilà. Toi, tu vas te mettre là. Clac. Voilà. Le fromage. Ouais, tu vas rester là. Bon, alors on va recharger notre bonbonne d'oxygène. Mais je crois que je vais d'abord partir dans le Nether. Alors comment on recharge notre truc? Ah oh, oui, avec ça. Clac, clac. Hop. Charbon. Pouf, voilà. Voilà, ça se recharge. D'ailleurs, on va recharger notre pile. Je l'ai pas sur moi, d'accord. Donc, on va recharger notre bonbonne d'oxygène. Pendant ce temps, on va chercher de la glowstone. Ah, j'ai pas de coordonnées pour aller sur. Ah, ça me ferait chier de faire ça. Je vais réfléchir. Obsidienne, on en a 13, c'est largement suffisant. On va recréer le portail parce que j'avais perdu le portail, bien sûr. Quand j'ai recréé la map, j'ai perdu le portail. Donc on va refaire le portail à la maison. Bonjour. Ah oui, on a ça. Je vais le récupérer avant de l'oublier. On avait un portail ici. On va le faire là, on va dire. Allez hop. Clac, 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 clac. Et bien sûr, j'ai pas le briquet, hein. Ça serait trop drôle sinon. Mais c'est pas grave. Je veux voir si ça marche. Hop. C'est elle. Voilà. Pas besoin de briquet. On s'en tape. Allez, c'est parti. Hop. Ça me sert d'avoir un bâton qui utilise les pouvoirs élémentaires. Ça peut être pratique. Voilà. Et on a des statues. On adore les statues. On a aussi des Daleks. Mais on n'a pas de glowstone. Si, on en a. On a 4 pauvres glowstones là-haut. Non, sans déconner. Il faut de la glowstone. Oh, bonjour le ghast. Ah là, t'es mort. Bonjour monsieur. Enfin madame. Ou on sait pas trop ce que t'es en fait. Glowstone, je viens à toi.
Oh, sinon il y en a là aussi. C'est mieux, hein. C'est. Je pense que c'est mieux. Ça sera suffisant, on rentre. Parfait. Pourquoi j'ai fait ça? Ça servait à rien. Faut remonter. Ah, il fait nuit. C'est pas bon pour les panneaux solaires, ça. Toi, t'es plein. Toi, t'es plein. Hop. Il fait toujours nuit, d'accord. Bon, bah toi t'as bugué. Non, il m'en faut 30. Voilà. Allez hop. Pouf, avec ça, c'est vraiment bon. On remet une bonbonne d'oxygène. On attend que la deuxième se prépare. Voilà. Je m'appelle quand t'as fini, hein. Voilà. Hop, toi on t'enlève parce que dans 2 jours on n'en aura plus. On refait ça et on repart. Allez, c'est parti. On va d'ailleurs mettre notre magnifique éclair dans la tronche. Ah, la porte refuse de s'ouvrir. Pourquoi? Pourquoi la porte refuse de s'ouvrir? Non, 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 non. 3, 8, 7, 5. 5, 4, 6. Ok, d'accord. La porte refuse de s'ouvrir. Pourquoi la porte refuse de s'ouvrir? Il y a quelques bugs à ce niveau-là. Je pense que je vais faire un décoroco et on va voir ce que ça donne. Ah, ouais, d'accord. Ah, c'était pas prévu au programme, ça. Ah, c'était pas du tout prévu au programme d'ailleurs. Ah, bru. Et donc, je vous explique brièvement, ça a crashé. Enfin, ça n'a pas sauvegardé en fait les 15 dernières minutes. Donc, du coup, bah, je me suis retapé les 15 dernières minutes. Donc, j'ai moins de torches parce que j'ai eu moins de glowstone. Mais à part ça, ça va. Voilà, mais on veut quand même rentrer là-dedans. Donc, on va quand même rentrer là-dedans. Yalla! Oh, un coffre. Au calme. Waouh. Bonjour les gens. Oh, que c'est mignon. Des trucs à. Ah oui, mais non, les CD. Si, les CD, je peux les recycler, donc ça va. Est-ce que je fais réapparaître mon TARDIS ici? Ouais, ça m'évitera de remonter. Hop, bonjour, je pose des torches. D'ailleurs, j'avais plus de torches. On va péter ces torches-là, on va récupérer les nôtres. Ouais, enfin, on s'en occupera plus tard. Hop, bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Il n'y a pas de mesdames. Dommage. Apprenez à viser. Vous démerdez-vous autrement. Est-ce que je pète ces spawners? Non, on va les laisser, ça va être cool. Ouais, bon, on perd pas de temps, on veut se faire le boss, on veut ouvrir les coffres, on perd pas de temps. Hop, du blé, plein de trucs. Comme d'hab, des trucs, mais c'est des trucs basiques. Bonjour. Y a pas trop de monstres ici. Oh, loot bag. D'ailleurs, j'ai pas ouvert les anciens loot bags. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de trucs là quand même. Toi non plus, tu savais pas viser. En tout cas, mon TARDIS fait. Mon sabre fait mal maintenant depuis que j'en ai mis deux. Bonjour. Ah ouh. J'évite la flèche. Dans l'irrespect le plus total. Ah, d'accord. Merci. Oh, bien. Je veux mon sabre. Ouais, je vais refaire tenir, réapparaître mon TARDIS et je vais ranger 2-3 trucs. Non pas que ça m'ennuie de ne pas récupérer le loot bag, mais c'est toujours mieux d'avoir des loot bags. Loot bag, c'est la vie.
Bon. Alors, on va juste recycler en fait les disques. Hop, 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 hop. Ça. Et voilà. Donc on a un loot bag supplémentaire. Hop, on va le déposer. Voilà. On y retourne. Loot bag. Merci. Toujours tout droit. Je sais pas si le boss il est violent. Enfin, je sais qu'il peut faire mal, mais j'ai un sabre laser donc. En fait, je m'en tape un peu. Le saut. Ah, on y est. Là-bas, il y a quelques petits monstres qu'il faudrait que je me débarrasse avant. Bon, que je ne pourrais pas me débarrasser avant. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. D'accord. Ouf, t'essaies de nous faire mal. Oh. Oh. D'accord. Ok, faut éviter de s'approcher de lui. Ah, tu es décédé. Ça tombe bien, j'avais plus de level. Ah, un singi. Bon, et eh ben on a une clé, c'est pas mal. Ça aura fait quelque chose. J'ai pas utilisé mon staff contre lui. Bon, il est tellement puissant, mon staff. Sérieux. Bonjour, voici la clé. J'ai la clé. Ouf. Okay, bonjour. Oh. Ça, c'était con. C'était complètement con. Ah, mais ces blocs sont incassables. C'est bon, ça va. Ah oui. Avec la clé, ça marche mieux. Ah, il y a un plan pour faire la fusée de niveau 2. Du sabre laser, je veux le sabre laser. Ah bah ça me récompensera avec celui que j'ai utilisé. Ah ouais d'accord, place. Ah bru. Bon bah on va se faire spawn sur Tardis. C'est bien d'avoir une maison portable. Voilà, on a fait le boss de la lune. Bon c'était assez facile en fin de compte. En même temps, vu le sabre laser que j'ai, ça devrait être pas mal. J'ai un bon stuff. J'ai presque du full gaps. Donc ça va, franchement, je n'avais pas à me plaindre. Je pense que celui de Mars sera un peu plus chaud. On se le fera, mais entre-temps, on va peut-être buter le dragon. Parce que buter le dragon, bah, c'est un peu l'objectif premier de Minecraft. Donc on se fera le dragon. Je pense au prochain épisode, on se fait le dragon. Ouais. J'ouvrirai tous ces loot bags entre-temps. Hop, on va recycler les CD. Là-bas, on pose ça. Et ceci, ainsi que ça. Voilà. On va juste aller chercher ce qui nous manque dehors. Sont cool ces torches. Est-ce qu'elles peuvent éclairer dans le... Enfin, normalement. Ah oui, si tu peux te régénérer. Parce qu'il va me falloir de la bouffe aussi. Bon, voilà. On va laisser notre TARDIS ici, je pense. Enfin, temporairement. Hein. On le laisse là, juste de manière d'eau. Clac. Ah, non, il veut pas. Qu'est-ce que je peux laisser? Bon, la roche du Nether, franchement. Voilà. Bah c'est pas si mal, au moins ça sera fait. Non, les CD, on va tout recycler. Allez, CD, hop, hop, hop. Hop, hop. Quoique le pain en fait, je ferais mieux de me le garder parce que c'est pas que je suis un peu juste au niveau nourriture, mais... Je sais pas combien de temps de vidéo on est là, franchement je suis un peu perdu parce qu'entre les coupures, les pauses et les actions que je devrais couper, je suis un peu perdu. Je pense qu'on peut s'ouvrir les loot bags. Allez, une petite ouverture de loot bag pour terminer. Parce que les loot bags, c'est la vie. C'est pas mal. C'est pas mal.
intéressant. Non, pas du tout. Bon, toi, tu seras recyclé. Hop, et un loot bag. Waouh. Ah, mais c'est que les mêmes choses que j'ai là. C'est bien pénible. Toi, tu nous voulais ça. Nous recycler. Ça. L'Under Pearl, on la pose. Ça, on pose. Et on est pas mal. Voilà. Pas de Pandora cette fois-ci. C'est pas grave. Ça aurait été cool quand même. Les torches. Ah, c'est des torches de galaxie. Elles sont faites comment? Elles sont pas faites. D'accord. Merci. Bon, bah d'accord. Ok, donc, on va se laisser là. Ça aura pas été trop mal. Hein, on aura fait le boss. Le boss. Enfin, c'est un tout petit boss. Hein. C'est vraiment. C'est comme le TV21. Enfin, le TV21 Emperor Dalek. C'est un petit boss. Dans le Cyber Leader plutôt, c'est un petit boss. Mais voilà, ça aurait été sympa. Bon, on pourra dire qu'on aura fait le boss de la Lune. Je tenterai de trouver le donjon de Mars. Alors, si jamais vraiment je m'ennuie, et je pense pas que je le ferai en caméra. Mais je le buterai en caméra, bien sûr. Bah, on fera un épisode là-dessus. Prochain épisode, on fait le dragon. Ouais, on se fait le dragon, le prochain épisode. Il faudrait qu'on attaque le Wither aussi. Parce que c'est pas qu'il nous faut une Nether Star. Étoile du Nether. Il nous faut une étoile du Nether pour avoir notre vortex. Parce que c'est un peu l'objectif que je me suis fixé, avoir ce truc. Parce que c'est cool. Franchement, c'est cool. Enfin, vaut la peine. Donc voilà, notre but c'est ça. Et entre temps, on fera le Mars. On essaiera de trouver un donjon de Roguelite Dungeon. Donc ça en fait des trucs. On est loin d'avoir fini. C'est pas parce qu'on a fait un vaisseau spatial qu'on a fini. Il nous reste encore plein de trucs à faire. Donc déjà on s'arrête là pour cet épisode. Et donc on se dit à la prochaine.